Quelque chose. Voilà. Oui, c'est vraiment magnifique devant tout ce monde. Et puis, bon, le temps est avec nous. C'est ça qui, je pense que si le public est là, il faut dire merci au temps aussi. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un était mettre un chien, je sais pas, à Notre-Dame du Croisou, là, tout près. Hein. Et en tous les cas, c'est marrant, on a toujours de la chance avec le temps. La seule fois où on a eu un peu de crachat, c'est l'an 2001. Depuis, il n'y en a jamais eu une goutte depuis. Mesdemoiselles, messieurs, nous sommes ici pour la remise du maillot à Hermine. Monsieur Didier Marchand, président du comité de Bretagne de cyclisme, qui se fait un plaisir de remettre le 9e maillot à Hermine au niveau de la catégorie des seniors. Il avait été initialement 2 fois champion de Bretagne également chez les juniors. 11e fois champion régional, ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Florian Lepard, s'il vous plaît. Merci. C'est également des records sur les podiums. Mon cher Grégory, vous pouvez poursuivre votre carrière d'animateur. Celui qui est devenu une nouvelle fois champion régional. On se retrouve avec Madame le maire, Madame Charlotte Abibin, qui est également la vice-présidente de la communauté de l'Esnevin et de la Côte de Légende, qui remet comme il se doit donc à Clément Baumet, lequel est originaire du pays de Châteaubriant, qui a été à plusieurs reprises champion des Pays de la Loire. Merci de l'applaudir une nouvelle fois, Clément Baumet, vice-champion de Bretagne. Et on enchaîne avec la 3e, Bernard Tanguy King, au nom de la communauté de communes du Pays d'Estevin, va remettre à Mathieu Boulogne la médaille du 3e. Merci de le féliciter. Également donc celui qui termine en 3e position, merci de l'applaudir, il a été à 2 reprises champion de France, 4e d'un championnat du monde. Vous pouvez saluer Mathieu Boulot, 3e de la journée, 3e du championnat de Bretagne. On avait vu certes un javelin sur l'épreuve de Patrice Thévenard terminer 3e, mais depuis on t'a que peu vu au niveau des organisations de cyclocross. Tu avais fait un peu d'impasse. Ouais, c'est vrai, j'avais coupé 4 semaines, donc 4 semaines sans vélo. Moi, ça a fait du bien, ça m'a bien régénéré. Là, ça fait 4 semaines que j'ai repris l'entraînement sérieusement, donc la forme est pas mal. Pour la dernière apparition, pratiquement sous les couleurs de Bretagne Séché Environnement, tu t'es pas loupé, même si le départ a été prudent, mais la suite a été des plus superbes, notamment pour la 3e place. Ouais, c'est vrai, j'aurai le cyclocross de Plumelec fin décembre et Camors le lendemain. Ce sera les 2 derniers avec le maillot de chez Bretagne Séché et ensuite ce sera une nouvelle aventure. Les ambitions justement, avoir davantage de possibilités de s'exprimer sur la route, notamment sur les Coupes de France en 2016. Oui, c'est sûr. Ouais. Après, on ne va pas beaucoup courir en France, mais bon, le calendrier anglais est assez fourni aussi, donc il y a de quoi faire.
Bah ouais, ça change des Pays de Loire. Bah en Bretagne, il y a vraiment une passion du vélo. Qu'on soit sur une petite course ou une grande course, il y a vraiment des spectateurs. Donc c'est vraiment plaisant de venir courir ici et puis ça fait plaisir. Quoi. Clément qui a l'avenir qui est tout tracé, 23 ans, c'est vrai qu'on est dans des ambitions de monter un petit peu plus haut encore. Si tu es venu à la formation du VCP Loudac, c'est pas un hasard parce que c'est vrai que tu as envie de t'ouvrir les portes du professionnalisme. Bah ouais, j'ai envie de découvrir le sport de haut niveau. Donc là, l'UDEA qui a postulé pour la DN1. Donc on verra l'année prochaine ce que ça donne sur route et pourquoi pas l'année d'après. Donc va falloir pédaler. Florian Lecor, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Merci de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Ça me paraissait compliqué face à toute l'équipe de l'UDEA, vu qu'ils étaient en surnombre. Bon, bah là. J'ai vu qu'on est, on s'est isolé à deux avec Clément, enfin presque d'entrée de jeu. J'ai continué à creuser l'écart et puis après bon, on a collaboré, c'était chacun son tour un peu pour rouler. Et après moi, je le redoutais quand même pas mal parce que Clément, je sais qu'il va très vite au sprint. Bon, c'est pas forcément ma qualité première. Et puis dans le dernier tour, j'ai tout donné dans le dernier tiers de tour, on va dire. Bah c'est passé, il n'y a pas eu grand chose, mais c'est passé quand même. Et ça veut dire que tu étais plus fort selon toi, sans être prétentieux, que certains de tes adversaires aujourd'hui? Plus fort, je sais pas, non, je pense qu'on peut-être légèrement, mais vraiment pas grand chose, parce qu'on se tenait vraiment, Clément, on se taquinait pendant toute la course, donc non, c'était vraiment égal. Quoi.